Bonjour à tous et à toutes, je suis Raylus et aujourd'hui nous sommes ensemble pour une découverte jeu que j'ai trouvé sur Kickstarter, Regira Hope, qui comme vous allez le voir a une énorme ressemblance avec la saga des Phoenix Wright. J'ai commencé un petit peu le jeu pour essayer de comprendre parce qu'il est uniquement disponible en anglais. Le lien bien sûr sera toujours dans la description. Ce jeu a un bon avenir je pense. Mais pour cela nous allons commencer le jeu. C'est parti. Donc tac, on sait. Alors cette version de Regira Hope inclut des animations d'écran qui peuvent être très lents sur votre téléphone, computer, sur votre ordi. Si vous avez un ordinateur assez lent ou un téléphone, nous vous conseillons de mettre ces options en off. Si vous oubliez d'accord, this setting animation, ok, donc on peut changer les trucs. Would you like the screen animation on? Oui, je pense que ce sera mieux. Mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle nuit des mystères de Regira Hope. La boisson mortelle. Alors, le 9 juin à 9h, 9 juillet à 9h de 1999, je vais avoir du mal. Podunk City Hall à la grande salle de bal aux USA. Alors, vous devez savoir que certaines vidéos vous forcent à ne pas watch after. Alors, vous savez que certaines choses ennuyantes lors des vidéos vous forcent, vous freinent, vos amis à les regarder à nouveau. Ne vous inquiétez pas, ceci est ennuyant. Mais plusieurs living happily after ever. Mais vous serez heureux juste après. Je pense que la réception n'était pas préparée à ça. Avec le piano qui monte bien et qui s'arrête d'un coup. Alors le 17 juillet, la salle d'attente 2. Oh mon dieu! Oh mon dieu, je vais être en retard. C'est ma première affaire de meurtre et je vais être en retard. Je suis l'avocat de la défense, je ne peux pas laisser mon client mourir, on va dire. Je ne peux pas laisser mon client avant que la session ne commence. Ah, Regira, tu t'es enfin décidé à venir te joindre à nous. The feeling here. Alors, ouais, il vient juste de mourir. Je rigole, ma chère. Oh putain. I know who you know. Je ne sais pas. Donc, tu dois te souvenir. Dans la case file, dans les preuves, la nuit dernière. Te souviens-tu de ce que des preuves de la nuit dernière? Tu te remémores du nom de ton pauvre client? Je dois lire la case file, donc la case avec les preuves. I'm forgetting parce que j'oublie tout. Ok, ma grande, c'est ta première affaire de meurtre et je veux te sens et je donnerai un peu d'aide. I can see you now, ok? Voilà, donc là vous avez vos preuves. Qui s'élèvent au nombre de 4. Voilà, donc. Alors, quel est le nom du client du jour? Alors, moi je le connais, c'est Broken Hearth, mais je vais aller vous le dire direct. Hop, on va là. Alors, c'est normal qu'il y ait deux fois les mêmes personnages. Je ne sais pas comment ça se fait. Oh, Broken Hearth, des fans. Et lui, c'est notre boss, Pharrell Triton. Ne me demandez pas qui a pris les noms. Voilà, c'est bon. Bien! Donc, Brooke dit que sa femme préférée est BEM, direct en incrustation. Alors, cette fille n'était pas prête à devenir ma femme décédée. Ah, mais pourquoi vous... Est-elle morte? Je m'en vais mourir aussi. Donnez-moi un verdict
coupable, va te faire foutre. C'est pas le but. Bravo. Alors, nanana. Alors, pas nous, ma chère, toi. Aujourd'hui est ton premier jour d'un grand moment dans l'histoire des avocats de la défense. Putain, ce jeu doit être en français. Donnez pour que je fasse ce jeu en français. Alors, à jouer de Gatina. Je me souviens du premier jour. C'est votre première affaire. Super. Je m'en vais rejoindre ma femme bientôt. Ne vous en faites pas, mon cher. Je me joindrai à vous. Juste pour vous féliciter après votre travail dur. Merci beaucoup. Tous deux essais. Qui a tué ma femme? Elle n'a jamais rien fait de mal. C'est ce que nous avons essayé de trouver aujourd'hui, Brock. Nous allons le prouver. Même si vous n'avez rien fait, je pense. Alors, sur l'exigence, une cour day will time, une cour will want something. Ok. Je suis sûr que tu es fatigué en tant que défense, Nina. Je me démerde, ceci est ma première affaire. Très bien, ma chère, je veux juste me menacer. Alors, ok, ça me sert pour tout. Évidence, blablabla. Et quand est-ce que je dois commencer? How about le premier murder? Verdict find the current condition. Ok. Ok. Donc en gros, le meurtre. En gros, je vais lui présenter qu'est-ce qui a tué la victime. Bah, c'est ce verre. Donc là, je vais présenter. How about you? Comme ça. Ça va me niquer les oreilles. Ouais, I think. D'accord. Donc en gros, je vais juste lui présenter des trucs. Maintenant, nous allons mettre en pratique ce que tu dois faire en cours. Alors, I'm going to make a few statements. Ok, il va me donner des affirmations et je dois trouver quelle est la. Enfin, oui, je dois trouver celle qui est fausse. Alors, when you présente me. Mais si tu penses, présente-moi la preuve qui me fait avoir tort. Alors, votre client est Broken Heart. Ok. La bouteille de vin était empoisonnée. Radjira est une de mes. Une de mes phrases est un mensonge. Si tu la trouves, présente-moi la preuve. Ma défense est Broken Heart. Le Battle of Wine était empoisonné. On sait tous que c'est ça, car c'était la Wheel of Glasses qui était empoisonnée. Parce que si on regarde. Voilà, Found Nothing. Alors, je vais juste retirer légèrement mon casque. Parce que ça pète mes oreilles, le How about you? Voilà, et comme j'ai les basses à fond, ça me fait chier. Ah, je. What? Non, c'est pas ça. Ah, je t'emmerde. Attends. Alors, est-ce que la victime est. What's wrong? Fine, in a wine glass. How about you? Faut que je me traîne. Non plus. La bouteille de vin est empoisonnée. Elle va présenter la bouteille de vin? C'est ça? C'est ça que How about you? Je suis nul en anglais. Ah bah ça j'ai trouvé. Fallait juste présenter la bouteille de vin. Je ne suis pas frère. Ok. Ouais, blablabla. Ok. Ah oui, le testament. Alors, en gros, là on va entrer dans une mécanique de gameplay assez assez nouvelle. En gros, voici un testament. Donc, c'est ce que le client devra dire dans la en pleine session. Donc, vous voyez, je peux changer quelques trucs. Donc, là, la 1 et la 5, je dois les laisser. Celles qui ont des croix à cocher, décocher, c'est ce que je peux choisir ce qu'il doit dire ou dire. Et là où il y a une flèche, c'est parce qu'il y a des mots qui vont changer. Donc, là, je dois. Donc là, hop, je dois regarder ce que je dois faire. Donc là, vous voyez. Donc, quand faut-je savoir que quelqu'un avait empoisonné ma femme? C'était un merveilleux jour, le jour le plus important de ma vie. J'allais marier avec ma femme de mes rêves. Donc ça, je laisse. Solemnly, it was the murder would be the worst thing I can do. Ça veut dire que le meurtre était la chose la plus horrible que je pouvais faire. Si elle die,
Si elle est morte, comment on pouvait supposer... what I suppose to do to get this wave. Donc ça, je vais l'enlever. Et ça, je vais laisser. Donc je laisse. Ça devrait être bon. Je peux m'exercer. Et c'est parti. The court is now in session. Mais avant, on va faire autre chose. Déjà, vous voyez, je me fais stalker par des gens. Donc là, vous voyez, il y a ma barre de morale qui se trouve juste là, à gauche des case files. Alors, Justine. Madame Hope, Madame Hope. Merde, voilà. Alors, Mrs. Hope, Mrs. Hope. Pensez, comment allez-vous défendre votre client? Comment pensez-vous que votre client se sent avant votre première affaire? Ma client sait que ce n'est... Mon client sait que je ne suis pas le meilleur avocat de défense possible. Vous réalisez que ça va ouvrir et fermer le... Ouais, j'ai pas compris. Ok. Oui, blablabla. Bla, bla. Mais il y a une vidéo montrant le meurtre et votre client a mis le poison dans le verre. Comment? Ah mon dieu, là je ne savais pas. C'est pas comme si je n'avais la vidéo juste au début. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes sûrs que ce client dit vraiment la vérité. Contrairement à ce que dit la vidéo. Même si une vidéo ne parle pas. Une autre question. Va te faire foutre. Oula. Combien de temps pensez-vous que l'affaire va durer avant que votre client soit prononcé coupable? 1 heure? 30 minutes? Va te faire foutre. Je vais vous laisser juste 2 secondes, je vais me moucher parce que c'est dégueulasse. Voilà. Je n'ai pas été trop long. Alors, that was the quote in the fact, tout commencer le moral. Alors, depress, ok. Alors, Yandel Yosef, alors, démerde-toi. Ils ont la vidéo, nous n'avons aucune chance, nous devons entrer en table, pour regarder les gnagna. C'est seulement les 3 choses que tu blablabla. Ouais, donc, en gros, jouer cette ornie, vous comprendrez. Moi, je joue. J'espère que tu as raison. Tout le monde à sa place et préparez-vous pour le Ice Attorney Kickstarter. Et voici Artemis Narcissique. On ne sait pas pourquoi, mais je pense que ça vient du miroir. Alors, il se stalique dans une table là. Et voici notre personnage qui ressemble étrangement à Benjamin Hunter. Voilà. Ah mon dieu. Putain, des effets de fou. Oh là là. Kickstarter ce jeu tout de suite. Oh putain, je sais pas ce qu'elles se disent, mais ça envoie du lourd. Ah oui, donc évidemment l'histoire c'est on se connaît, mais tu vois, c'est un peu complexe. Tu la connais? Oui, oui, je t'expliquerai après. Tu vas juste mourir en attendant. Et ouais. Des moyens incroyables. Putain. Ah oui, alors le moyen plus... La meilleure animation du monde, c'est le marteau. Ah, je vous dis, like la vidéo et partagez juste pour l'animation du marteau. C'est génial. Calmez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir le jugement de Monsieur Brockenhoff, qui a été accusé du meurtre de Victoria Timms. La prosecution... la partie civile a-t-il quelque chose à dire? Bien sûr, votre honneur, tout ce que nous savons dans cette affaire durera moins d'une heure. Et les 27 timers, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est ça le timer. Quand le timer arrivera à 0, ce sera considéré comme... enfin, l'affaire sera finie. Et la cour se finira. Juste, j'aimerais prononcer... J'aimerais prononcer coupable pour la défense. Ah bon, là on a des petites références. Très bien, j'ai un superbe sandwich à la dinde qui m'attend quand je rentrerai chez moi. Let me know when the timer finish, would you? Donc là, on doit attendre. Il va choisir le temps que va durer la session. Alors, what the heck is that?
Just tape un homme, monsieur. Nous n'avons pas le temps, évidemment. Artemis, you know, je suis intéressé par ces flares. Je pense que je vais mettre le time, la fin du timer sera fini quand la défense entrera en action. Et j'ai 10 minutes. Alors après avoir fait ça et mon estomac, nous irons manger dans 10 minutes. C'est parti. Ok, maintenant, avec quel objet la défense va-t-elle ouvrir la séance? Je n'avais pas remarqué qu'il y avait juste 4 personnes lors de ma... de ceci. Alors, le challenger en premier de court est innocent, une dernière minute, vous êtes noir, blablabla. Vous en prenez qu'il est innocent, quoi. Alors, c'est le moment pour le chef officier de décrire la scène et les faits qui ont été... qui sont connus d'ailleurs. Alors, blablabla... Détective Auchan, veuillez nous décrire les faits de ce meurtre. Mon Dieu, qui n'est pas du tout inspiré d'un personnage de Phoenix Wright. Bien, sœur. Le client Brockner a tué la victime, victor la team, en misant du poison trouvé dans une bouteille sur la scène. Le dit poison fut trouvé dans un verre de vin pendant la réception et la victime l'a bu. La mort a été immédiate après avoir bu le poison. Je vais utiliser la vidéo du meurtre pour démontrer exactement comment le meurtre a été perpétré. Je vois pas en quoi mon moral a baissé en fait là, les mecs. Calmez-vous. Donc là, ouais, je pourrais me prendre un coup de stress. C'est la première chose qu'ils vont montrer. Je suis dans la merde. Je commence la vidéo. C'est ainsi que le majordome amène la bouteille. C'est ainsi que le client mit le poison dans le verre de vin. Hé, Renjiro, as-tu regardé quelque chose d'intéressant? Je pense, mais qu'est-ce que c'est? Si tu trouves que quelque chose ne va pas bien, tu peux interrompre afin de présenter une preuve ou de... Donc là, c'est le gros bouton interrupt que je fais comme ça. Objection. Voilà. Avec le gros doigt accusateur dans ta face. Alors, cela ne prouve pas que mon client a mis le poison dans le verre de vin à ce moment-là. À ce moment, il a juste recouvert le verre de vin. Ah oui, parce qu'elle met des aides. Irrélevant, je sais pas. Toutes les preuves sur ce point montrent que Brock a mis le poison dans le verre. La défense est simplement de rendre confus les faits. Oh oui, le Overload. Si vous vous souvenez de la voix anglaise de Yu-Gi-Oh, c'est celle-ci. Alors, tous les points évoqués par Brock pour poser la bouteille de donc si on va donner. Ok. Très bien, retournons à la vidéo. Après que Brock a servi le vin à sa femme et qu'elle ait bu, tout le monde riait autour et. Putain, il y a un problème avec les haches. Et avait passé un moment, and then. Elle s'est levée pour parler. Juste après la mort a fait son effet. Elle avait 16. Ok. Hall of 16 and stop breathing. Elle s'est arrêtée de respirer, elle est morte. C'est ainsi que la vidéo s'arrête. Upon seeing the death, the local officer présent. D'accord, donc en gros après l'officier présent a arrêté tout le monde. Alors. Je vais pouvoir mettre à jour mes preuves. La veste a été ajoutée. La vidéo de réception a été ajoutée. Thank you, officiation. Alors, juge, je peux montrer que le. Ok. J'objectionne, je sais pas pourquoi. La vidéo ne montre pas que le. Mon. Non. La vidéo ne peut pas montrer que mon client, à aucun moment, ne pouvait mettre du poison dans le verre. Voilà. Au contraire. Oh là là, une phrase en français. Attention, rigolez pas. Au contraire, il y a. C'est la preuve. Proof. Oui, c'est proof. C'est la preuve que votre. Du mensonge de votre client. Nous avons trouvé du poison dans le code de Brock pendant la perquisition et la réception.
Arrêtez avec mon moral, il s'est rien passé, calmez-vous. Comment Artemis a-t-elle trouvé ça? Ce n'est pas dans mes affaires. Enfin, ce n'est pas dans mes preuves, je peux ajouter maintenant. Le poison a été ajouté. Alors, je pense que tu as l'air un peu fatigué. Tu sais une blague. On a aucune chance. Regarde Artemis. J'ai évidemment cette Have some hope. Oh là là, c'est drôle. Have some hope. Oh là là. Alors, blablabla. Ok. Il ment, pas vraiment. Je veux dire, je me passe. Nanana. Ok. Bon, on va dans ce cas. Je vais dire simplement. Victoria Team avait une gigantesque fortune. Mais quand Victoria est décédée, Brock allait hériter de tout cela. Ça ne sonne pas vraiment bien. Ça ne l'est pas. Je vais le montrer, motherfuckers. J'ai une question. Est-ce que je crois que la show chez les Valkyries n'est pas strikée par YouTube? Je ne sais pas comment s'appelle cette musique classique. Ah oui, elle avait beaucoup de monnaie. Mais cela me paraît bizarre, car je vais présenter cette preuve. Car en effet, ce n'était pas à elle de... Non, attendez. Voilà. Ceci décrit que toute la monnaie irait à un certain Jordan Deep. Je vais le présenter. How about you? On peut pas faire d'objection. Impossible, officier Shawn, en êtes-vous sûr? J'en suis sûr, je veux dire, cela me semble évident que... C'est faux! Avez-vous vu le testament de la victime? Non, ça me semble une raison facile pour... Objection. Vous avez encore faux! Brooke n'est pas mentionné dans ce testament! La dernière chose qu'il a fait relève à plus de 5 ans! Tout le monde sait que tout cela reviendrait à un homme nommé Jordan Deed. La défense ne l'a pas mentionné. Votre honneur, je montre qu'il est impossible que tous les éléments menés par l'accusation est fausse. Comment? Et comment on se pose? Dans le miroir, c'est le choc. Votre honneur, apparemment, la dernière chose qui l'a motivé, tout le monde sait que c'est la vérité. Sustained. Meilleure animation du monde. Ça casse tout. Tu vois, t'es dans l'ambiance là. Rien à foutre, je casse tout. Salut, moi c'est Droopy. Bien. Procédons. Officier Shawn, le dernier testament que vous avez dit lors de votre dernière performance revient... Non, je crois que j'ai mal dit. Comment? Cette animation... Je vais ignorer ce que la dernière chose que l'accusation a dit. Tout le monde repart simplement. Officier Shawn, vous ne partez pas maintenant. Je vais vous parler après, dès que l'affaire sera terminée. Bien, qu'est-ce que l'affaire donne? Peut-on les manger maintenant? J'ai vraiment très très faim. Votre honneur. J'invite à ce que le témoin parle. Cela pourrait être bien, je suis... Je m'ennuie après la moutarde sur mon sandwich à la dinde. J'espère que cela durera vite. Bien sûr, monsieur. La cour voudrait écouter monsieur Hard. La cour voudrait juste écouter le testament de monsieur Hart. Alors... Oui, je vais dire ce que le témoin de... Enfin, ce que la défense m'a dit de dire. Évidemment. Donc ça, c'est la partie où... Oh! Oh, cool! Comment pourrais-je mettre du poison à ma femme? What? Regarde, Artemis, elle semble ne rien avoir. Ne laisse pas aller plus loin et interromps-la! Objection! Votre honneur, l'accusation est simplement de choquer mon client! Bien, Artemis, arrêtez de pointer le doigt, l'accusé.
C'était le jour, le plus beau jour de ma vie, le plus important. J'allais me marier avec la femme de mes rêves. Je vois, je ne peux pas rester aussi insensible devant tant de chaleur humaine. Je vais vous ajouter 2 minutes à la session. J'accorde du temps à la défense. Penser à la tuer était la chose la plus horrible que je pouvais faire. Bien, ça semble aller bien pour le moment. Je ne voulais pas, je ne savais pas que le vin était empoisonné. Tout ce que je pensais était parler à Victoria de Hawaï pour notre nuit d'amour. Cela semble bien. Bien, monsieur Hart, merci pour votre... testament, on va dire. Maintenant, je voudrais que vous dites à la cour l'heure du meurtre. Meurtre ? Je vais le dire à mon fils que... Ah, Vic ! Philippe ! Je sais que t'es là ! Non, ça n'a rien à voir. Mince, Artemis a mis le point sur ce qu'il ne fallait pas. Il me semble, il va penser à la mort de sa femme. Je ne dois pas dire quelque chose qu'il regrettait. Je ne sais rien du tout. J'étais à côté de ma femme lorsqu'elle est morte. Je pensais qu'elle était morte. Comment ? Je suis désolé pour vous, Sis. Ok, veuillez repenser aux événements. Bien, je pense que... Oh, regardez, mon sandwich va aller plus vite. Donc il a dit qu'il va faire le plus vite possible. Alors, le mec a apporté la bouteille de vin pour moi et Victoria. J'ai pris le vin du mec. J'ai empoisonné le bout... Oh, j'ai une tête de Gail. Comment ? Tu ne peux pas être sérieux ! Enfin, vous ne pouvez pas être sérieux. Calme-toi, Hope. Et c'est objectivement... Il ne peut pas le mentir à moi. Tu es l'air surprise. Maintenant, juge, vous considérez que la défense soit encore. Je suis prêt, mon sandwich va enfin. Objection, votre honneur. La cour ne peut pas reconnaître que le client ment. Oh. Je suppose que je ne peux pas partir maintenant. Enfin, ouais. Ma chère, peux-tu consulter les files plus tard, s'il te plaît? Maintenant, on va consulter maintenant. Alors, j'ai l'esclave de demander à votre potentiel seigneur, fond de one glass, on décide. Ok. 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 Alors, le son est un petit peu fort dans mon casque, donc je vais crier un tout petit peu. Drôle, ceci a l'air de sentir je ne sais pas quoi. Bon, ok. Comment ? Donnez-moi une seconde. Tu l'as maintenant ? Ok. Qu'il ment, comment peut-il mentir ? Je vous cache pas que c'est à partir de ce moment que je bloque. Là, je vous cache pas que je vais perdre les 9 minutes qui me restent. Parce que mon anglais est dégueulasse. Voilà. Alors, le waiter a planté, je l'ai pris. J'ai pris le vin du majordome. Alors évidemment le temps tourne. Ok, c'est donc ça. Je réfléchis. J'ai un doute, je vais présenter ça.
Je ne sais pas si c'est ça. C'est faux. What? Oh, j'ai trouvé du premier coup, le mec. Ah, je suis désolé, mais je vous ai zappé plein de trucs. Ça la montre claire, bon, je vous la refais. Un instant, vous souvenez-vous de la vidéo? Bien sûr. Mais comment a-t-il pu mettre le poison s'il dit l'avoir mis? Regardez, il n'a pas de poche dans à ce moment-là du meurtre. Il semble que le cylindre était fermé, il ne pouvait pas mettre le poison dans la bouteille de vin. Ceci a donc été impossible pour Brock pour l'avoir empoisonné le vin. Et que pensez-vous? Someone else have probably the bottle in the one. So let's go now home, so don't do case. Quelqu'un a mis le poison dans le verre. Je t'emmerde. Ridicule, ça ne peut pas... Personne ne peut avoir mis le poison dans le verre à part lui. Objection. Pas du tout. Il existe une personne qui peut avoir mis le poison dans le verre. Et nous l'avons vu pendant la vidéo du meurtre. Sustained. Droppy action. Oh, j'aime entendre ça. L'affaire va enfin finir, va enfin devenir intéressant. Donc, vous dites que nous n'avons pas vu dans cette affaire, Ria. Donc du coup, la cour veut savoir exactement qui a empoisonné le verre. Avec plaisir, Artie. Laisse-moi juste mettre en pause la vidéo du meurtre à un certain moment. Ceci est le moment du meurtre. C'est lui. Quoi? Right there. Ici. Bon, je crois que je vais trouver le Waitos. Exactement. Tu es perspicace, le juge. Oui, et ça ne peut être que lui qui a empoisonné la bouteille de vin. Mais pourquoi? Je suis sûr qu'il va nous le dire. Nous allons le trouver. Vous savez quoi? Je vais aller aussi, Ria. Cette affaire devient intéressante. What? Oui? 30... Avoir... Waouh! Elle ajoute 30 minutes. Oh. Sustained. Ok. Alors, je laisse une heure à la cour pour remettre de l'ordre. Gardien, veuillez chercher un bon sandwich. Avec de la moutarde. It's time for my lunch munch. Yippee. Bien joué, Hope. Nous avons passé quoi? La première partie de cette affaire. Nous devons passer le reste. Nous devons juste trouver le meurtre. Bien, je pense. Maintenant, allons chercher, allons voir notre client. Pendant ce temps, un petit peu plus tard. Alors, feeling not going here. It's time to go. Ok, nous devons savoir pourquoi il a dit. Pourquoi? Ma femme est partie. Bien, cela me semble une idée. Calmez-vous, Brock. Nous avons agi pour trouver qui a tué votre femme. Vous le pensez? Nous avons prouvé qui il était. C'était un des membres du restaurant. Et ce mystérieux Jordan Dean qui a été mentionné. Vous ne savez rien à propos? Un peu, c'est une longue histoire. Jordan et Victoria étaient mariés. Bien, je pense que l'affaire, nous ne pouvons plus savoir qui était-il avant. Je dis que de la merde. Je ne sais pas. Jordan était un homme. Pam pam pam. Comment? Comment cela se peut? Je veux dire, vous êtes marié avec Victoria, mais pourquoi? Bien, Victoria ne m'a pas tout dit à propos de lui. Mais quand il est venu, elle voulait... Elle se sentait toujours... Void, je ne sais pas. Quand vous dites, Jordan était toujours... était chaque jour là. Je ne me souviens pas avoir eu des détails à propos de ça, mais j'assume que... Le break-up d'une... Ok. Ouais, même. Après mon premier rendez-vous, Victoria... Ah, de Bacasson, ok. Jordan est start crying, ok. Victoria was world was... Oh, ça me fait j'en ai marre de traduire en anglais, là. C'est trop complexe. Mais je vous conseille de jouer au jeu, il est trop bien. I guess, je pense qu'il a changé. Fair enough, I guess Victoria keeps the treated. I think so. Est-ce possible le trio? Ok. Le temps qui vous a été accordé est fini.
Je pense que la cour va revenir. Nous avons dit ce que nous avons à faire. Merci. Of course. Votre client était innocent. Bien, nous avons un nouveau visiteur. C'était apprécié. Vous avez fait un travail impressionnant, madame. Mais pourquoi avez-vous dit... Je peux en dire autant pour vous. Bien, ça fut une joie de parler avec vous pour un officier de la défense. Vous réalisez juste que, grâce à vous, le trial... Enfin, votre affaire va être plus dur que d'habitude. Vous allez payer pour si vous avez... Vous allez payer la même chose si vous gagnez ou perdez. Je ne recule jamais devant mon chemin. Bien, je vois de penser. Je me... m'en fous. Je pense que vous devez partir. Non, boss, laissez-moi parler. Alors... Je pense que je dois dire respect de... Ok. So what I am. So what I size. Ah ouais, vous êtes définitivement ce genre de choses, ok. Comment? 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 C'était un intense vision. Je vais juste aller dehors. Continue à défendre, je reviendrai quand je me serai changé les idées. Tiens, Lyle. Bien, Rhea, tu sembles prête à recommencer. Artemis, quelle surprise! Alors, que penses-tu de mon propos? Je pense que tu devrais savoir ce que... Je pense que tu devrais voir une des questions que tu as mis à Hawks. Alors, après de telles années, Artemis, nous nous rencontrons, tu es enfin sur mon chemin. Ah, mon ami, je suis aussi content de te revoir. Nous pourrons discuter des termes de notre paiement. Quand tout cela sera fini, continue la conversation après la fin de l'affaire. Alors, bla bla bla. Seulement, je suis un salaud. Parce que je vais pas tout vous montrer. Et que ça doit bien faire un bon moment que cette vidéo a fini. Que je dis que de la merde en anglais. Donc, ce que je propose, je vais arrêter là. De manière à ce que vous téléchargez le jeu pour faire la suite. Je suis un gros salaud. Mais je pense que ce jeu, si vous y intéressez, si vous le faites partager, ce sera une réussite. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bonne continuation. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo. Ça fait plaisir de la partager pour que ce jeu Kickstarter se concrétise. Et si le jeu est en français, peut-être que je ferai un let's play dessus, sait-on jamais. Mais il faut qu'il soit en français, hélas. De partager, de vous abonner si c'est la première vidéo que vous voyez, d'aller regarder, d'aller checker les autres vidéos si ce n'est pas déjà fait, de jouer à ce jeu pour la suite. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.